bien, c'est tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de notre incroyable aventure sur Kena, Bridge of Spirits, évidemment le pont des esprits. Et ça y est, une contrée assez grande s'offre à nous, en tout cas elle a l'air assez grande et j'ai hâte qu'on découvre ça tous ensemble. Merci pour l'accueil que vous avez fait pour cet épisode 1, c'était assez fou. En parallèle, nous avons du alien, donc c'est très très cool, ça swing de tous les côtés. Pourquoi il est content celui-ci? Qu'est-ce qui t'arrive? Il sait pas, il veut me montrer un truc, il me dit vas-y c'est par ici, et ben on va y aller. Ça m'inquiète, attendez mais ça m'intrigue, mon frérot. Tu me fais peur? Il me fait peur. J'ai hâte de pouvoir utiliser mon bâton en tant qu'arc. Putain, le jeu est beau! Le jeu est beau! Incroyable! Allez, on est parti pour cet épisode 2. Épisode 1, on n'avait pas découvert grand-chose, hein, mis à part fait le tuto, entre guillemets. Un petit tuto 30 minutes, fort sympathique. On a déjà affronté un premier boss. J'ai failli mourir, j'ai failli avoir ma première mort. Mais honnêtement, là, pour l'instant, le jeu, en termes de difficulté et tout, m'a l'air plutôt bien adapté. Et toujours aussi enchanteur, ça ne change pas. Je suis toujours accompagné de mes petits rots, ils sont tout mignons, regardez. Putain, ça c'est le sang de la veine, ça je vous le dis. Hein. C'est le sang, donc je suis accompagné de mes petits rots, tout va bien jusqu'ici. Nous avons un petit Aikyo, le village. Nous avons un petit village donc, qui m'a l'air dans les problèmes là, non? La source qui coule sous la forge transporte l'énergie du sanctuaire de la montagne. Pour l'instant, c'est un classique, hein, évidemment. Bien sûr. Ok. Alors. Ça... Oh, attendez. Ouf. Putain, ça m'a fait flipper. Ouais, mais je me suis pas encore remis d'alien, c'est pour ça. Ok. Bon, pour l'instant, mes petits rots ne peuvent rien faire là-dessus. Bah alors, on va essayer de redonner vie à tout ça, quand même, hein. Ah, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Alors, les petits potes. Ah, il y a une embrouille, là. Ok. Bon, bah on va s'en occuper tranquillement. Un mort. Qu'est-ce qui se passe? Rien parce qu'il est mort. Allez. Hop. Si j'arrive à bien... Oh, bien joué à toi. Hop, mort. Plus de son, plus d'image. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Très bien. Oh. Ah, c'est là? Yes. Ok. Ça, c'est fait. Très bien. Ah, je l'avais pas vu, ce petit coquelicot. Alors? Hop, je tente un move, on sait jamais. Ok, très bon. Quoi d'autre? Encore une autre? Alors? Oh, on informe un masque de chat un petit peu. Il est où le dernier? J'arrive pas à le localiser. Après, je suis peut-être avec... Oh, regardez ce qui se passe. Ça a l'air incroyable, ça. Hein. Oh, ils sont malins. Allez, bonne chose de faite. Let's go, il est temps de redonner nature. Nature verdoyante, évidemment, à ce village qui n'a rien demandé d'autre. Let's go, vous êtes prêts? Ça va swinguer, hein. Regardez. Hein. On va se mettre dans un bel endroit. Et je brille. Le chariot de chapeau découvert. Oh! Ok, je sais pas c'est quoi. Oh, regardez les rots. Générer du karma en vain quand les ennemis corrompus en restaurant l'environnement et en trouvant des fruits pour nourrir vos rots. Utilisez du karma à partir du menu d'amélioration pour débloquer de nouvelles capacités. Kena peut améliorer ses capacités de base et imprégner ses capacités de rots pour créer de puissantes attaques. Oh, c'est sous Goy. Maintenez R2 et appuyez sur carré pour créer un marteau de rot, évidemment. Et là, appuyez sur R1, une attaque légère. Ok, je peux le débloquer. Appuyez sur R2 pour une attaque lourde. Vous pouvez charger les attaques lourdes. Ça, j'ai déjà. Hein.
En sprintant, maintenez appuyez sur R1 pardon, pour effectuer une attaque circulaire. Ça donne ça, c'est pas mal ça. Bien sûr qu'on débloque. Bien sûr qu'on débloque. Et là, on a quoi ? Appuyez sur R1 après une parade pour effectuer une attaque virulente. Ça me paraît pas mal. En sprintant, appuyez sur R2 pour effectuer une attaque puissante. On va prendre ça, ok. Quoique, attendez, parce que les rots, après, ils commencent à devenir des machines de guerre, non ? Je vais prendre ça. Ah, je peux pas ? Oh, dur. Dur, bah, on va prendre ça. Dur. Toujours dur. Toujours dur. Je ne peux rien faire. Je ne peux plus rien faire. C'est terminado. Bah, c'est bien dommage. C'est bien dommage. D'accord. Ah, les esprits, je peux pas encore y accéder. Donc, je sais pas ce que ça cache. Et toujours cette carte. Très bien. Bon, nouveau chapeau de Roth disponible. Hop, on ouvre ça. C'est quoi ça? Oh, oh, ça a l'air d'être un chapeau assez dégueulasse. Ok, un chapeau de Roth. On va pouvoir équiper nos Roths. Je vous en avais parlé, souvenez-vous. La dernière fois, je vous avais dit, les potes, les Roths, on peut leur mettre un petit chapeau pour les reconnaître. Et oui, chaque Roth étant totalement différent. Boutique. Oh, on a quoi? Oh, trop bien ce Roth-là. Ok. On va acheter un gâteau. Très bien. Bon. Maintenant, comment on fait? Est-ce que quelqu'un sait comment on équipe nos rots ou pas? Oh, encore quelque chose. Putain, il y a plein de cadeaux là. Ah, ça marche bien, ça. Ok. Oh, très stylé en plus. Hop, ça en prend. C'est de l'argent. On aime l'argent ici, évidemment. Bah, j'aimerais... Bah, alors, les potes, comment on... Ah, oh, c'est dommage. Danser. Oh, trop bien. Si je fais triangle, éternuer. Ah, c'est le petit Rod qui a éternué. Un petit bisou. Bon, y a, c'est, voilà, y a mon, c'est mon chouchou. C'est mon chouchou. Les autres Rod, rien à foutre. Hein. Ah, ça leur donne un peu d'amour, mais il y en a qu'un qui... Ouais, moi aussi, je veux mon petit bisou. Allez! Is Tara this way? The barrier is blocking the path. La barrière bloque le chemin. Il trouve d'habitude au temple des masques. Vous le découvrirez lorsque vous verrez les arbres sacrés. Examinez le temple des masques. Ok, on a quelque chose là-haut. On a... Ça, c'est quoi ça? What? Trop bien. Qu'est-ce... Oh, un rot! Alors, mon ref. Allez. D'accord. D'accord, 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 j'avais pas saisi. Et là, c'est un autre temple encore qu'il faudra faire. I suppose, ok, je suis américain. On va fouiller cette petite maison. Pas beaucoup d'habitants pour l'instant là-dedans. Ah, mais c'est trop bien, putain, quand tu rentres dans une maison. Genre, regardez, il se pose à des endroits un petit peu farfelus et tout. C'est tellement stylé. Ah, bah il est là, mon rot, avec tous ses... avec son gâteau sur le crâne, trop bien. Oh, qu'est-ce qu'on a là? De l'argent, j'aime l'argent. Oh, le jeu est magnifique, vraiment stylé. Hein. Je kiffe. C'est enchanteur, c'est ça qu'on attend d'une aventure exotique, vous voyez. Avant un Far Cry 6 où on va se foutre sur la gueule. C'est ça qu'on veut. Ok. Tiens, 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 le masque, ça me dit quelque chose. Seem quite fond of you. They're usually timid. Something tells me you did not come to our village looking for forest creatures. Hello, spirit. I seek passage to the sacred mountain shrine. Our village is bound to the shrine's energy, but that power faded long ago. Trapped spirits linger here, tangled in the tragedies of our past.
You must help these spirits if you wish to reach the mountain shrine. On my way, I met two children. They asked me to help free a boy named Taro. I'm not surprised that Benny and Saya found you. They are clever children, and would do anything for their brother. We have always crafted wooden masks to honor those who have passed on. Placed here, the masks slowly turn to dust, aiding the spirit's journey into the next life. My father was a spirit guide. Our traditions are different, but he helped many spirits pass from this life to the next. So you know what happens to spirits unable to move on. Take Taro's mask. It is bound to his spirit, and will help you fulfill your promise to the children. Look after Benny and Saya. Prenez soin de Benny et Saya. Il leur sera difficile de comprendre le destin de leur frère. Ça sent pas bon, ça, hein. Ça sent pas bon, hein. Le masque de Taro. Appuyez sur flèche de gauche pour porter des masques des esprits. Regardez à travers le masque pour trouver votre chemin. Ok, ouvrir des barrières des esprits et révéler des objets importants dans l'environnement. Les masques des esprits sont utiles pour trouver les rôdes cachées à travers le monde aussi. D'accord. Ah, c'est sûrement la porte. Très bien. C'est qu'on doit voir de juste très très loin. Ok, bon. On va faire le tour sur un malentendu. On peut peut-être trouver des trucs très intéressants. Des sépultures, très bien. Sûrement un des temples finales. Et là, qu'est-ce qu'on a? Encore un temple peut-être, non? L'esprit... Ouais, oh, ça paraît être un... Ça paraît être un temple. Ok, il nous dit toujours d'aller là-haut. On se pourra aller à notre objectif, tout simplement. Encore un... Hop, on peut rien y faire, hein. Ça dégage. Je suis incapable d'aller plus loin pour le moment. Très bien. Bon, bah on descend là-bas. Hop, voilà, on secoue un petit peu ceci. Très beau, ça. J'ai essayé, on sait jamais si ça ouvrait une petite porte. Voilà, on est... on est jamais trop... prudent. Allez, direction le temple. On va sûrement en savoir un petit peu plus sur ce qui se passe là-dedans. Follow it. Maybe it will lead us to Taro. Cela nous mènera peut-être à Taro. Très bien. Pour l'instant, rien ici. On va fouiller de temps en temps. On va checker. Ça ne coûte pas plus cher de bien checker, évidemment. Oh, les musiques et tout, c'est vraiment stylé. Hein. J'aime beaucoup, ça me rappelle... C'est bizarre, mais ça me rappelle à la fois les anciens jeux qu'on faisait sur PS2. Tu sais, tu rentrais de l'école, oh là là. Je n'ai pas vu Toby ces derniers temps. Il joue d'habitude avec les enfants de l'autre côté de la rue. Hop, un petit salto arrière, ça c'est pour mon petit côté un peu impressionnant. Ok. On a quelque chose là-haut. Très bien. Ah, attendez. Attendez. On a quelque chose ici. Très bizarre. Et ça, c'est pour un petit raccourci des familles, ça, non? Qu'est-ce qu'on a là? Attendez. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Bon, moi j'y vais, hein. J'y vais, on a le temps d'aimer. Vous croyez qu'on va repeupler le village ou pas? Petit à petit, ça peut être très cool, hein, en vrai. Hein. Hop. Voilà, ils ont de quoi graille. Oh. Coffre maudit, vainquer tous les ennemis. Ah!
Ok. Très bien. C'est bizarre parce que des fois j'ai l'impression que les bruits et les voix, ils commencent, ça va dans les graves. Oh là là, c'est terrible, ça. Mort, tous morts. Non, pas tous morts. Mort, tous morts cette fois. Allez, let's go! Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je suis très en suspense. Oh, Sugoi. Beaucoup d'argent. C'est très bien ça, je prends. Ok. You'll get it. C'est quoi ça? Encore beaucoup d'argent. Putain, ça régale. C'est même trop, j'en déborde là. Terrible. On peut aller par où? On peut aller par ici. Ok. Eh, c'est vraiment stylé quand même, hein. Vous en pensez quoi un petit peu là? Vous en pensez quoi? C'est pas féerique comme il faut, ça, c'est pas incroyable. Bon, va falloir remonter là-haut par contre. Et ça, c'est un peu moins incroyable. Se téléporter, ok, pas besoin. Regardez, en fait, il se pose, MDR. Ouais, je rigole comme ça, moi. Je rigole avec des lettres. Ok, non, ça... Oh là, oh là, l'ambiance, elle est devenue assez hardcore là-dedans. Ok, bon, on peut rien faire d'autre. Effectivement, on était passé par là, mais on n'était pas passé à droite. On avait loupé ce petit chemin, donc très, très bien. Très, 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 très bien. Eh ben, on peut y aller, on peut continuer. Désolé, on a fait un petit écart, mais c'était un écart très sympa. On a eu beaucoup d'argent et tout, c'est très très cool. Hâte de voir un petit peu ce qui nous attend par la suite. Déjà une petite idée. Ok, je suppose qu'il faut aller derrière. Ah ah! Ils peuvent soulever ça? Parce que c'est balèze hein, quand même. Hein. Ok, je pense qu'il faudra libérer ça quand j'aurai... J'ai hâte d'avoir la capacité de tirer. Ok, bougez-moi ça. Interagir. Vous avez trouvé du courrier des esprits. Vous avez trouvé quelque chose appartenant à un villageois. Rapportez-le à sa maison au village. L'emplacement est marqué sur la carte. Tiens. Je suis sincèrement très curieux de savoir ce qu'on y gagne. Je ne sais pas vous. Et je suppose que l'emplacement est là. Ah, dans la boîte aux lettres. D'accord. Et donc... Ok, je suppose qu'il va falloir... Ouais. Ok, bien joué à toi. Je me mets par surprise, petit. T'as du cran, petit. Mort. Oh là là, mes rottes qui tabassent des gueules. Bien joué, mes potes. Mes potes, les rottes. Allez, nous redonnons vie à cette maison. J'aimerais bien qu'un habitant hip-hop, ça serait cool. Oh, Sugoi. C'est... Ouais, bon, c'est triste quand même. On a redonné à cet enfant... Voilà, il peut s'en aller, il peut quitter ce monde en paix, entre guillemets. Assez terrible. Assez terrible. Ok, on a quoi derrière? Mais on a des petits trucs très sympas, dont un rot, s'il vous plaît. Allez, viens par ici, toi.
Et ben voilà. On a fait tout ça pour un rot et c'est très très bien. Plus on est de rot, plus on est puissant. Bon, ça s'arrête plus. Putain, le jeu te récompense tellement. Très bien, champignon jaune, nouveau chapeau de rot disponible. Bah alors les gars, personne veut ? Personne veut mes fruits. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. On va pas en pleurer, n'est-ce pas ? Je peux aller à gauche ou à droite. Ah, d'accord, ok. Il y a beaucoup de maisons, en vrai. Beaucoup de maisons comme ça, un petit peu possédées. La neige fond vite cette année. Voyons si le passage menant à la maison de Ruzu est ouvert. D'accord, donc là, je sais que vers les montagnes, je trouverai le courrier à livrer pour cette maison-là. Très bien. Ok, là on n'a rien. Il me fait taper des barres le rot avec le gâteau sur le crâne. Regardez cet enfoiré, on voit que lui. Oh là là, ça me rappelle tellement les anciens jeux, je kiffe de ouf. Coucou les potes. Il est passé par là, mais nous ne pouvons pas franchir cet obstacle. Je comprends moi, je m'en occupe. Cette substance dégoûtante bloque le passage. Pouvez-vous vous en débarrasser pour que nous puissions passer par là? Je vais m'en occuper, mon pote. Tu peux me faire confiance. Ok. Bon, il est où le boss? Allez, amenez-le-moi. Quoi ça ? Souche d'arbre. Les rots peuvent purifier les fleurs spéciales pour restaurer la santé de Kenna. Lancez vos rots hors de combat, la santé de Kenna se régénère automatiquement. Ok. Ok, ça a commencé à devenir tendu si y a des boucliers. Pff, bien joué. Oh là là, je suis déjà mid. Eh, ça va pas être aussi facile que ça, je pense. Ok. Wouh ! C'est bon ! Très bien. Je crois qu'ils viennent à l'infini tant que j'ai pas... Non, c'est bon ? On est bon. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Boum ! Et ça, c'est beau ! Oh, Sougol ! Allez-y, les gars ! Les larmes de la forêt restaurent temporairement les rots à leur forme d'origine. Utilisez le joystick droit pour déplacer le nuage. Dans cette forme, les rots peuvent attaquer les ennemis, détruire les barrières et dégager la corruption. D'accord. Et là, ils peuvent plus le faire. D'accord, j'ai compris. Très bien. Très très bien. Les feuilles mortes, ça dégage, j'aime pas ça. Ok. Bon, bah on va dégager là-bas, hein. Ok, la porte est ouverte. Ma question c'est, est-ce que vous pensez... Je vais essayer. Est-ce que vous pensez... Ah d'accord, c'est un temps limité. J'essaye. Le move du joueur franco-thaïlandais. Ça peut marcher sur un malentendu. Ça a l'air de marcher. Oh non. Oh non, Zinedine. Allez, revenez les gars, c'est pas grave. On aura essayé... C'est la tête haute. C'est la tête haute qu'on part. Par contre, là, il y a un petit truc. Ouais.
Allez, on est reparti. On va le refaire vite fait. Allez, viens par ici. Viens par ici. Ah, c'est stylé, hein, vraiment. Hein. Et ben voilà. Comme neuf. Hop. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Ça fait encore beaucoup d'argent, tout ça. Je sais pas comment on peut comptabiliser cet argent, mais c'est très très bon, on garde. Ouais. On est... Ah, on est à la cool, là. On est à la fraîche. Très très bien, ça. On peut continuer. Ça, c'est fait. Kena, là-bas, il y a quelque chose. Attends, viens par ici. Je parie qu'une larme de forêt. Allez, je m'en occupe. Voilà, on va pouvoir. Ouh, il y a beaucoup de choses. Hein. Terrible. Ah ouais, mais... There must be something nearby. Il doit y avoir quelque chose à proximité. Ok, donc on est obligé de le faire, je suppose, plusieurs fois, non? D'accord. Prenez. Ok, mettez-moi ça ici. C'est quoi, un champignon? Une graine? Sugoi. Sugoi, je prends. Allez, on va pouvoir faire un nettoyage massif et très rapide. Ok. Très bien. Bon, on est pas mal. Vous en pensez quoi? En vrai, je l'aurais vu au bout d'un moment, mais c'est vrai qu'avec le masque, on l'a vu directement. Allez, encore de l'argent. De la thune! Putain, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout... Ma question préférée, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces lobés, bordel? Commence à faire beaucoup, ça, non? Pour une petite fille comme moi, là. Autant d'argent, là. Qu'est-ce qu'on va se balader avec autant, bordel? Pas envie de finir dans un sale état. Hop, on va passer par là. Wouh! Ok. Vous pouvez pas passer à gauche? Ok. Et ben on est bientôt au top. Incroyable. Oh là. Tu la sens la sale ambiance? Ah, on peut se TP. Très très bien. Et ben on va pas se TP parce que ça ne sert à rien. Pas que ça va faire que de me TP, mon petit pote. Oh, ça va swinguer ici. Allez, go. Go, go, go. On libère ça. Très bien, ça. Vite, 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 vite. Ok, hop, ça c'est fait. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça c'est fait aussi. Pas mal. Sale ambiance, hein, par ici, hein. Oh, ça s'arrête jamais. Oh là là, les potes. Oh, il est balèze, lui. Wouh! Oh là, bien joué. Ok.
Ok, vous avez vu, il a des sortes de cristaux jaunes. Ça sent les points faibles, ça. Hein. Ça sent les points faibles, ça, mon petit pote. Hein. C'est fait. Allez, vous êtes prêts? Purification! Et ben voilà. Encore une bonne chose de faite, c'est incroyable. Bah alors les frérots, dites-moi tout. Dites-moi tout, après on se laisse ici. As-tu vu ce qu'elle a fait à ce monstre? Je t'ai dit qu'elle pouvait nous aider. Bien joué, Kena. Continuons, nous sommes proches. Et ben voilà. Les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode 2. On aura fait un temple. On va quand... Eh, on n'est pas des monstres. Bougez pas. On va quand même s'occuper de ceci. Pas dégueu leur système de gestion de... Comme ça, là, quand c'est vraiment bien pensé. Tout est bien pensé. Et on va s'arrêter là. Vous voulez qu'on regarde la sépulture quand même? Allez. Non? Du coup. Un nouveau rot. Et ben voilà, on va pouvoir s'arrêter là. Nous sommes à 11 rots. Et c'est plus qu'il n'en faut. C'est pas mal. Et la suite sera là-haut. N'oubliez pas le petit j'aime et le petit commentaire. Ça fera plaisir à Kena. Et évidemment à moi-même. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À très bientôt pour la suite de notre aventure. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.